Et Elsa, ils n'ont pas l'air mignons ces petits chats? Eh bien, sachez qu'ils font partie des plus beaux spécimens récompensés ce week-end au Salon du Chat de Sens. Et comme ils sont les plus beaux, eh bien forcément, ils ont eu le droit à leur petit moment de gloire. Je vous présente Nemo, donc un Maine Coon de 7 mois. Jojo, de la triade des Loupiaux, il a 4 ans et c'est un Sibérien. Je vous présente Lilou, du royaume de Freya, sphinx de 4 ans, seal point, yeux bleus. Et pour participer à ce défilé, les chats ont dû passer devant ces 5 juges venus de 4 pays différents. Sur les 300 chats présents au salon, seule une quarantaine a été sélectionnée pour le concours. Pour chaque race, si vous voulez, vous avez un standard qui est préétabli. Donc on vérifie la conformité du chat par rapport à ce standard préétabli. Pour moi, ce qui fait la qualité d'un chat, c'est avant tout l'harmonie. Un chat doit être... c'est un concours de beauté. Donc le chat doit être bien équilibré, harmonieux. Et celui-là, il l'est ? Ah ben celui-là, il est fantastique. Fantastique, oui. Les juges ont désormais fait leur choix. L'heure est venue de récompenser les plus beaux chats. Un moment angoissant pour les propriétaires, car forcément, l'enjeu d'une récompense est très important. Le concours, ça nous permet d'avoir une reconnaissance, de montrer que le chat est dans les standards de ce qu'on attend de la race. Si on obtient un titre, ces titres figurent quand on fait reproduire un chat sur les pédigrés des descendants, donc des enfants, des chatons. Donc c'est une garantie aussi pour l'acheteur, parce qu'il sait que si les parents ont été primés, il a affaire à un chat de qualité dont les caractéristiques sont conformes aux standards. Donc c'est une garantie pour l'acheteur en particulier. Et après un week-end de compétition, voici donc les 4 grands vainqueurs de ce concours. Elsa, vous n'avez plus qu'à choisir celui qui vous plaît le plus et je vous le ramène à la maison.